Où est-ce que vous étiez passé? Je vous croyais mort. Désolé de vous décevoir. Vous avez trouvé Raz? Hé, mais attendez, les signaux de votre tenue sont redevenus normaux. Vous êtes guéri? Qu'est-ce qui se passe? Raz et ses troupes sont basées sous Arkham City. Ils sont occupés à extraire un produit chimique naturel, qu'il appelle le Lazare. Ça fait des siècles qu'il l'utilise. Il l'a perfectionné jusqu'à ce qu'il soit capable de revenir du monde des morts. Et vous en avez pris? Il m'y a forcé. À petite dose, ça semble guérir la plupart des maladies. Mais même une si petite quantité génère de terribles effets secondaires. Avec tout ce qu'il a pris, Raz a basculé. Alors, vous pensez que vous êtes guéri? Non, les effets sont temporaires. Raz a tenté de me convaincre d'utiliser son puits, mais c'est beaucoup trop risqué. Quand j'en aurai fini ici, il faudra que je me penche sur la technologie Lazare. J'ai dit à Raz de fermer son puits. Et vous croyez qu'il le fera? Ça m'étonnerait. Raz est accro à ce puits. Je lui ai donné une chance d'oublier cette addiction. Sinon, je devrais m'en charger moi-même. Robin vous a donné l'échantillon? Oui. Il est à l'hôpital de Gotham. C'est la folie là-bas. Je vous le passe. Hé, hey, Barbe. Content d'avoir de vos nouvelles. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bruce, ça va mal. L'hôpital de Gotham compte au moins 30 cas confirmés. Merci, on a presque 50. Et on dirait que ça se propage partout dans la ville. J'ai fait une simulation. Le sang du Joker pourrait être dans le corps de 2000 personnes dès demain matin. Les premiers décès sont attendus très vite. Je retourne voir Freeze en ce moment même. J'espère que l'échantillon de sang que j'ai pris à Raz complétera la formule de l'antidote. J'espère bien. Ce panneau est protégé par des protocoles de cryptage Tiger. Impossible de les décrypter sans avoir accès au programme de contrôle. Protocole 10 prendra effet dans 2 heures. Vu comme les gars du Pingouin ont pris la tangente? Ouais, comme le pote. On peut finir le tunnel pour éliminer ceux qui restent. J'ai hâte. Je crois qu'on va bien s'éclater avec ces piafs. C'est clair. Dis bonjour aux petits oiseaux. Bang!
rattraper après. On retourne à la série. Ah. On continue dans les tunnels et on trouve un moyen d'atteindre le musée pour descendre le pingouin. Hein? Savoir que le Joker va mieux. Je croyais qu'il allait crever. Ouh ! Et voilà, un point ! J'ai comme des flashbacks de la dernière fois. On fait ce qu'a dit le Joker ! Y a quelqu'un ? C'est Batman ! Je vous ai déjà parlé du jour où j'ai découvert que j'étais malade. Non, je me souviens bien. C'est celui-là que j'ai rencontré, Harley. Oh, 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 oh. Bah, il est par là. J'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe ici? Chose plus importante à faire pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? On a trop peur de se montrer? Patrick, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, je veux que tu saches que quoi que tu fasses à ces gars, je gagnerai quand même! Je l'ai repéré. Il est par là. Quoi? Où il est pas... Ils utilisent des boucliers. Ils bloqueront les attaques frontales, mais ils ne les protègent pas des attaques aériennes. Où est-ce que le Joker a trouvé ces trucs? C'est Batman!
Moshi. Bien, il y a des armes qui arrivent. Quoi? Vous espérez qu'on vous rejoigne sans aucune arme? Pas question. Il a dit que des flingues arrivaient. Ce sera pas long. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Allez, du calme. On est tous amis ici, pas vrai? Je crois. Bien. Bon, quand les armes arriveront, on pourra aller dans les tunnels pour tuer tous les adversaires du Joker. Personne n'y voit d'objection, pas vrai? Aucun problème. Je me bats toujours avec l'équipe qui gagne. Moi aussi. Cool. Le Joker veut qu'on en finisse vite et bien. Ça suffit, les conneries. Batman! C'est Batman! T'as pas la moindre chance! Batman. Encourageant, pas vrai? Non, pas vraiment. Je ne comprends pas. Pourquoi Strange voudrait-il envoyer le maire là-bas? Et surtout, comment Strange a-t-il réussi à faire arrêter le maire? Je ne sais pas, Barbara. Mais je vais le découvrir, j'en suis certain. Je veux tout savoir sur Strange et sur vos liens avec toute cette histoire. Je vais tout vous dire. Strange est venu me voir quand je dirigeais l'asile. Il m'a dit qu'il avait des amis. Des amis puissants. Des gens qui avaient le pouvoir de tout réaliser. Il me suffisait de fermer les yeux sur ses expériences et de travailler sur ma campagne. Il a dit que ses amis me feraient gagner à coup sûr.
Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Je ne les ai jamais vus. Ils ont tout financé. L'argent n'était pas un souci. Je devais juste créer Arkham City et laisser les rênes à Strange. C'était tout à fait logique. Les voyous de Gotham devaient être punis. Ce devait être mon héritage. Strange a kidnappé tous ceux qui avaient des preuves contre lui, et il les a envoyés à Arkham City. Profitez de votre héritage. Bruce, je perçois des pics énormes sur l'analyseur biométrique de votre tenue. Vous n'avez pas l'air en bonne santé. Je viens de discuter avec votre vieil ami Quincy Sharp. Il m'a confirmé que Strange collabore avec quelqu'un d'autre. Je vais trouver qui c'est. Qu'est-ce que vous racontez? Vous devez apporter ce sang à Freeze tout de suite. Je le ferai. Il faut d'abord que... Pas question. Vous devez retourner au GCPD. S'il vous plaît, Bruce. Pour moi. Strange est un malade. Vous devez l'arrêter. Agent Jones, de retour au musée. J'espère que vous m'entendez. J'utilise une des radios qui appartient à l'équipe du Pingouin. On a trouvé un truc dans la cachette du Pingouin. Et les gars pensent... J'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. Merci. Vous m'entendez? Une merveille. Batman est ici. Combien de coups vais-je devoir te donner? Non, je vais parler. Je n'en ai jamais douté. Dégagez de là! Oh, c'est vous. La porte est ouverte, Batman. Entrez.
êtes revenu? Bien. Vous avez dû entendre la radio. En effet. Qu'avez-vous trouvé? Ça. Tom pense que ça a un rapport avec les mines. Avant, il bossait dans le déminage. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Je vais regarder ça. Qu'est-ce que tu fais, Batou? Je croyais qu'on était amis, qu'on travaillait ensemble et tout. Depuis ma couche, où j'essaie désespérément de m'accrocher à la vie, il me semble que tu m'as trahi en commençant à travailler avec le bac à glaçons. Moi aussi, je peux jouer à ce petit...